Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pourquoi pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer une idée pour faire des petites activités avec les petits comme les grands. Donc là, vous trouverez tous mes patrons dans la barre de description en version vierge. Comme ça, vous déciderez ce que vous voulez faire, les couleurs que vous voulez faire. Moi, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait un domino. Voilà, très sympathique pour les filles. J'ai plastifié. J'ai fait un jeu d'ombre. Donc moi, j'ai tout découpé comme ça. C'est pour y mettre, en fait, pour pouvoir tout changer. C'est soit sur une feuille cartonnée ou ailleurs, hein, peu importe, mais je vous montre là sur une feuille cartonnée. Soit un bout de scotch, soit de la pâte à fixe. Hop, comme ça. Et après, donc, vous choisissez exactement comme vous voulez. Et les enfants, eux, n'ont plus qu'à chercher les modèles. Voilà. Donc là, ça sera plutôt sur les couleurs. Voilà, les couleurs pareil, hein, toujours plastifiées. Comme ça, après, vous faites ce que vous voulez. Et le dernier, c'est le jeu de mémoire. Le jeu de mémoire que j'ai fait. Là, c'est pareil, si vous avez du papier cartonné couleur, au moins comme ça, ça ne se voit pas derrière. Moi, je l'ai fait sur une feuille. Donc là, ben, je vais tout recoller une feuille cartonnée. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc si vous pouvez y penser avant, c'est mieux. Voilà de quoi je me suis servie, hein, avec pour faire le jeu donc des mémoires, le jeu des ombres, le jeu des couleurs et des formes, enfin à vous de voir. Ça, moi, donc j'en ai retiré un et je vais m'en servir pour faire le jeu du modèle. Donc je vais leur demander de faire exactement la même chose que moi. Je vais mettre un cœur, un nuage, une étoile, un rond et un triangle, et elles devront faire exactement la même chose que moi. Ça, c'est très ludique et les enfants adorent. Donc je vous mets tous les patrons vierges, et puis bah comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez. Si jamais vous voulez les patrons déjà tout prêts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ben je vous les enverrai. Donc j'espère que cette petite idée vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour des nouveaux tutos.